Est-ce que tu peux me raconter ce qu'est l'escalade? L'escalade, c'est quand les Savoyards ils ont essayé d'attaquer Genève en 1602. Ils n'ont pas réussi. Mais puis c'est passé quoi pendant la... Il y a plein d'anecdotes. Il y a la mère Royaume qui a lancé une marmite sur les Savoyards. Il y a... T'attends quoi en fait? C'est une guerre, mec, c'est la guerre. Ouais, c'est une guerre, mais c'est qui a gagné la guerre? C'est Genève. Ok. Genève, on a repoussé les Savoyards. Ouais, c'était ça, là. C'est la victoire des Genevois sur les Savoyards. Je sais beaucoup de choses. Pourquoi ça s'appelle... Pourquoi ça s'appelle l'escalade? Oh, putain. Pourquoi ça s'appelle l'escalade? L'escalade? L'escalade, ça pourrait dire... Je sais pas... Chose qui descend, qui monte, je sais pas. Les Savoyards ont escaladé les fortifications genevoises pour tenter d'évailler la cité. Ça, c'est comme chinois pour moi. Franchement. Les Savoyards ont escaladé les fortifications genevoises pour tenter d'envahir la cité. Quelle est la date exacte de la bataille? 12 décembre 1602. C'est... La nuit du 11 au 12. Ah. Oh. Pourquoi cette fête est symbolisée par une marmite? Parce que la dame, je pense avec un truc, je ne sais pas comment on appelle le truc, avec ça qu'elle a jeté la soupe sur les autres. Quel était le vrai nom de la mère Royaume? Catherine. Ouais, mais comment son vrai nom? Royaume. Non, pas son vrai nom. Margot Chi. Diane Chi. Diam Cadieu, Cadieu, comme Cadieu. Catherine Chainel. Margot Chi. Elle est pas chinoise. Non. Ok. Ok. Un A, petit A. Margot Chi. C'est vrai? Oui! Elle est bonne celle-là. Deux. Diane Cadieux. Trois. Catherine Chainel. Elle a C. De quoi est faite la marmite que nous partageons chaque année? Soir sèche. Style. Ouais, chocolat. Oui. Qui casse la marmite? Ouais, c'est très connu. Ouais. Les militaires. Le plus jeune et le plus vieux. C'est juste. Que doit-on dire avant de casser la marmite? Attention. Je sais pas. Ouais. C'est ainsi que périssent les ennemis de la République. C'est bien, ça passe. C'est juste, non? Et ainsi périr les ennemis de la République. Et ainsi périr, ouais, mais c'est bien, très juste. Noé m'a fait une leçon d'histoire, ça me passe. Combien de personnes ont participé à la course de l'escalade cette année? Ça, tu voudrais savoir. N'importe quoi. T'avais qu'à regarder le dossard de ta femme quand elle était courir. 30 000. C'est plus. Ouais. Mets un chrono, j'ai 30 secondes pour trouver le bon chiffre. Vas-y. 40 000. C'est plus. 50 000. C'est moins. 45 000. C'est juste. Ouais. Qu'est-ce que le Sekeleno? C'est une chanson, non? C'est... L'hymne Genève. Oui. Ouais, pas mal. Qui raconte l'escalade? Bravo. Bravo. 3, 2, 1. Sekeleno, le maître des batailles, qui s'est moqué, s'est ri de canailles. A bien fait vivre baisser son dénet. Qu'il est divé, le patron des Genevois. Et ainsi périr les ennemis de la République. Mec, c'était mon... Vous êtes tellement con, mec.